fitness parks, ce sont des clubs de sport avec du cardio, de la musculation, des espaces pour faire des cours vidéo et également pour s'entraîner au cross-training, au fight park. Donc c'est un concept qui existe depuis 2009, qui est un petit peu différent des concepts des autres puisqu'il y a des zones avec des activités de haute intensité pour vivre des expériences fitness. Alors cette année pour Fitness Park, ça a été un vrai tournant puisqu'on a trouvé la vraie identité de Fitness Park, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que 50% de notre clientèle sont des millennials et donc on a créé un design qui parle à cette cible-là. C'est pour ça qu'on est devenu une marque adorée de nos adhérents, puisqu'on a fait des sondages qui disent que Fitness Park est une love marque. C'est un club assez identitaire, où on y trouve du lifestyle, on y trouve des endroits où tout le monde peut se retrouver, peut se reposer, faire du sport, mais également partager avec d'autres adhérents, puisqu'on a créé une application qui s'appelle MyFitnessPark, qui permet aux adhérents de se connecter les uns avec les autres. On a réussi à faire non seulement une salle de sport, mais aussi une salle où notre cible partage et échange avec les autres adhérents. Donc rejoindre le réseau Fitness Park, c'est intéressant pour tout investisseur puisque c'est un club de sport où il y a très peu de charges, beaucoup d'adhérents, une haute technologie avec des appareils Technogym, une vraie théâtralisation des clubs. Donc c'est ce qui fait la différence sur le marché et ce qui fait du mal pour nos concurrents. Je pense qu'on sera une marque qui sera là demain pour longtemps, puisqu'on ouvre plus d'une cinquantaine de fitness parks chaque année et qu'on commence à être vraiment implanté sur le territoire français et ailleurs.